Moi non plus, j'ai pas rédigé de discours. J'ai pris quelques notes ces derniers jours sur les différents échanges que j'ai pu avoir sur les questions de l'eau et je vais vous parler à la fois en tant que membre du gouvernement plutôt en charge de ces questions, même si mon cœur de métier initial c'est plutôt l'énergie, avec des sujets assez simples comme Fessenheim, Bure, mais arrivé d'aller dans l'Ouest, à Notre-Dame-des-Landes. Bon, bref, donc là, il est vrai qu'aujourd'hui, je me sens davantage, pardon de le dire, chez moi, puisque bien sûr, j'ai été maire, je suis aujourd'hui adjoint maire, j'ai été président d'un département, et je suis élu communautaire, et ces questions, j'ai été amené à les traiter, en tout cas à les aborder, en tant qu'élu local, et donc je ne me sens pas mal à l'aise dans un comité de bassin, et bien au contraire, ça nous permet de nous retrouver. J'ai vu les parlementaires à mon tour, les deux députés, Stéphanie et Sophie, j'ai cru voir Rémi Pointreau arriver à l'instant, heureux de revoir Rémi ici, saluer l'ensemble des élus régionaux, départementaux, communaux, intercommunaux, bien évidemment les services de l'État en région et déconcentrés, notre préfet de région bien évidemment, mais également les administrations de l'agriculture et bien sûr du ministère de la Transition écologique et solidaire avec les services de l'ADREAL et de la DDT et puis l'ensemble des personnes qui sont ici. Moi je suis d'accord avec vous, monsieur le président, cher Thierry. La question de l'eau, on doit l'aborder de la manière la plus universelle et la plus globale possible. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que comme ça, il y en a pour tout le monde. À ceux qui s'intéressent au volet économique, il s'agit d'économie. À ceux qui s'intéressent au volet écologique ou à la biodiversité, il s'agit d'écologie, de biodiversité. À ceux qui s'intéressent à la gouvernance et aux compétences, le qui fait quoi, il est question de science administrative, si j'ose dire, il y a de la science administrative. À ceux qui s'intéressent au volet juridique et réglementaire, n'en manque pas, il y a de la matière juridique et réglementaire. C'est une question profondément transversale et surtout, et je commencerai par là, profondément décentralisée. Et d'ailleurs, c'est bien l'état d'esprit du président de la République lorsqu'il m'a confié ses assises de l'eau, sous couvert de Nicolas Hulot, ministre d'État, c'est de se dire, mais au fond, il n'y a pas plus belle compétence que l'on ait décentralisé ces dernières années au bloc local, pour faire vite, que cette compétence de l'eau. Et pour autant, la complexité de l'exercice de cette compétence nécessite, deuxième mot-clé après décentralisation, beaucoup de solidarité et beaucoup d'ingénierie. Et donc, mine de rien, monsieur le préfet de région, toujours une présence de l'État, même si on est sur une compétence décentralisée. C'est probablement une des rares compétences de toutes celles qui ont été décentralisées sur lequel on a ce modèle aussi curieux, aussi singulier de relation entre les collectivités territoriales, les agences de l'eau, on va y revenir dans un instant, toute la gouvernance de l'eau, le monde consulaire, je sais qu'ils sont représentés ici, et notamment le monde agricole, et les différentes autorités de l'État. Et ça, c'est une particularité évidemment que vous connaissez bien ici dans un comité de bassin, où on a un modèle assez singulier et assez français, dans lequel de la fiscalité, qui reviendrait dans un instant, d'État, est déléguée à toute une famille de décideurs locaux. Ce modèle-là, c'est un modèle précieux, et je le dis tout de suite pour évacuer ça, monsieur le président, cher Thierry, c'est un modèle auquel nous croyons. Et les assises de l'eau, en aucun cas, seraient une manière de détricoter ce qui a été fait, ou de remettre en cause un modèle, et ça a été dit à l'instant, qui a été éprouvé, qui est un modèle français dont, pour le coup, nous sommes assez fiers. Pour autant, et c'est pas le membre du gouvernement qui le dit, mais c'est plutôt l'ancien maire, c'est un modèle aussi qui doit se remettre à niveau des exigences de proximité de toute une nouvelle génération d'acteurs. Il n'y a pas les élus de l'eau d'un côté sachant, et les autres élus de l'autre côté non sachant, qui n'auraient rien à faire, rien à voir avec tout ça. Je le dis parce que dans ma vie de maire, je me suis retrouvé dans des situations où l'agence de l'eau, même le comité de bassin, était un truc très très loin de moi. Peut-être que c'était de ma faute et que je suis nul et que j'ai rien compris. Ce qui n'est pas d'ailleurs complètement exclure. Bon, tant pis pour ceux qui m'ont nommé ministre. Mais globalement, je me rappelle les taux d'intervention, la manière dont on hiérarchisait des outils d'aide financiers sur...
ma communauté d'agglomération, pourquoi c'était un pourcentage plutôt qu'un autre, pourquoi c'était oui ici et plutôt non à un autre endroit. Et dans tout ce que je dis, ce n'est pas une critique. C'est juste que je me disais, tiens, le monde de l'eau appartient à des règles qui m'ont l'air compliquées et sur lesquelles, moi, maire d'une ville de 25 000 habitants, je ne suis pas en capacité d'y comprendre quelque chose. Puis ensuite, je suis devenu membre du gouvernement. Or, au moment le plus éclatant, puisqu'il s'agissait bien évidemment de régler cette affaire de plafond mordant, je vais y revenir dans un instant, et là j'ai découvert, mais attention monsieur le ministre, vous n'y comprenez rien, c'est véritablement quelque chose de très local. Bon ben je me suis dit c'est bien, parce que quand je suis maire, c'est quelque chose qui me semble très loin au-dessus, puis quand j'arrive au gouvernement, c'est quelque chose dont on dit que c'est très loin en dessous. Ben quelque chose, je veux dire quelque chose, ça m'a plutôt rassuré. Ça veut bien dire qu'on a donc bien une structure intermédiaire, je ne dis pas un corps intermédiaire, mais des structures intermédiaires qui jouent ce rôle de médiation, intermédiaire, médiation entre justement une organisation assez centrale, une organisation assez locale. Mais je prends aussi le point qui a été indiqué, je ne vous connaissais pas, mais vous m'avez l'air très sympathique, lorsque vous dites on s'est peut-être tous un peu endormis ces dernières années. Je pense qu'il faut qu'on démarre par là notre propos sur les assises. Ce n'est pas le modèle qui est à réinterroger. Nous avons de l'affection et de l'intérêt pour ce modèle. Néanmoins, celles et ceux qui ont des responsabilités dans ce secteur doivent sans cesse se réinventer et régénérer leurs idées et leur énergie, parce que sinon, à un moment donné, ce sera tout le modèle qui, lui, en revanche, pourrait être remis en cause. Voilà par quoi je voulais commencer. Assise de l'eau. Commande du chef de l'État, congrès des maires, que l'AMF est représentée ici, et je vous en remercie et je vous salue, où le président de la République comprend dans le cadre du congrès des maires que il y a un problème autour de l'eau, qui n'a d'ailleurs été évoqué que très partiellement dans le cadre des débats parlementaires, en disant on a besoin de relancer l'investissement, on a besoin d'aider ces collectivités territoriales qui parfois sont dans une situation complexe par rapport à l'eau, et on a beaucoup, beaucoup d'acteurs très différents, scientifiques, entrepreneuriaux, publics, privés, etc. Remettons tout le monde autour de la table et redéfinissons en même temps que votre travail sur le 11e programme les grandes attentes et les grands objectifs pour l'eau sur les années qui vont venir. Parce que comme ils ont début de quinquennat, par définition, il était utile de se poser ces questions dès maintenant et de ne pas les repousser à plus tard. On a commencé par une consultation que j'ai souhaitée directe, c'est-à-dire directement auprès de tous les élus de France concernés par la question de l'eau. Je tiens déjà à démarrer par des remerciements, puisque ce qui correspond à vos ensembles régionaux épousant les contours du comité du bassin a particulièrement été mobilisé dans la réponse à ce questionnaire, à cette enquête, puisque pratiquement 2500 réponses directes ont été enregistrées à l'échelle du pays, ce qui pour une question technique et pour une consultation qui était assez fine et assez technique, il faut bien le dire, et tout à fait un résultat tout à fait encourageant, qui nous a donné quelques résultats que vous, au fond, vous connaissez déjà, mais c'est l'occasion quand même de les redire. 64% des élus attendent de l'accompagnement de l'État, tout en revendiquant que cette compétence soit profondément décentralisée. À aucun moment, on explique qu'il faudrait que, justement, le champ des compétences évolue. Sauf, bien sûr, dans la famille commune-intercommunalité, mais là, vous le savez, les parlementaires se sont emparés du débat, députés et sénateurs, à l'Assemblée nationale et au Sénat. 64% réclament de la simplification. Ils le réclament à tout le monde. Autant l'État que les autorités qui gèrent l'eau, que les agences de l'eau, il y a un besoin manifestement assez écrasant, il n'y a pas que dans l'eau à mon avis d'ailleurs dans le pays, mais en tout cas de simplification dans tous les domaines. 42%, et on s'arrêtera tout à l'heure un tout petit instant sur ce chiffre, 42% assument, confessent leur méconnaissance quasi totale, sinon partielle, de leur réseau, en eau claire, comme en assainissement, en disant « je gère quelque chose que je ne connais pas ». Ils le disent avec beaucoup de précision et beaucoup de force. J'ai un patrimoine, j'ai une situation, soit sanitaire, soit économique ou financière, dont je ne suis pas capable de dresser des éléments de connaissance. Ce chiffre, d'ailleurs, il est complètement corroboré par nos propres études, où globalement, on manque de connaissances, nous, services de l'État, et donc les agences, sur 50% des services d'eau et 40% des services d'assainissement. C'était donc le premier axe, et c'est le premier axe de ces assises,
Comment faire des assises de l'eau et même avancer sur un 11e programme si on n'est pas capable de travailler davantage sur la connaissance des réseaux? Donc là, pour le coup, dans le cadre des assises, avec un comité de pilotage, trois groupes de travail se sont réunis. Votre président du comité du bassin, d'ailleurs, a été particulièrement investi. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que je me retrouve devant vous aujourd'hui, parce que son investissement a été vraiment total. Et il l'a fait avec beaucoup de précision et beaucoup de rigueur. Je tiens vraiment à remercier Thierry Burlot pour cela. Trois groupes de travail, disais-je. Connaissance des réseaux et du patrimoine, avec toutes les avancées que l'on peut faire sur le sujet. On aura un certain nombre d'annonces à faire le 17 juillet prochain sur le sujet, parce que, au fond, quand vous n'avez pas fait votre prise de sang et qu'on ne vous a toujours pas dit que vous avez du diabète, il y a peu de chances que vous commenciez votre régime et que vous preniez vos médicaments. Le début du chemin de la rédemption et de la guérison, c'est quand même d'avoir fait sa prise de sang. Alors, en général, vous avez pris vos mauvais résultats, vous savez qu'il faut faire des efforts. En plus, ça vous permet de quantifier les 10 efforts, puis ça vous permet de exactement savoir ce qu'il faut faire pour arriver à redevenir en bonne santé. Donc là, c'est le diagnostic, c'est le mot-clé. Le diagnostic, ça va être absolument fondamental, et il est évident que les agences de l'eau et les comités de bassin vont avoir un rôle important à jouer. Deuxième volet de travail, c'est évidemment l'ingénierie technique. Quand vous dites, monsieur le président Chatiri, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, et je ne veux pas me défiler, on va parler d'argent dans un instant, on voit bien que beaucoup de travaux ont parfois été bloqués, mis en échec, retardés, ce que vous voulez, uniquement par déficit d'ingénierie technique. Et encore plus en milieu rural, évidemment. Évidemment, certains travaux sont simples, plutôt répétitifs et assez conventionnels, mais il ne suffit pas de grand-chose pour que des travaux deviennent particulièrement compliqués. Et donc là aussi, notre capacité à proposer des choses nouvelles en la matière est fondamentale. C'est là aussi on va retrouver et redonner des lettres de noblesse singulières aux agences de l'eau sur l'ingénierie technique pour le milieu rural. Mais je souhaite qu'on ne s'arrête pas là. Et là aussi, vous le verrez dans les jours qui viennent, on fera un certain nombre de propositions sur une capacité à revoir notre commande publique pour la simplifier, pour répondre aux besoins de simplification. Là aussi, un certain nombre de mesures pour permettre des solutions de bureaux d'études clés en main, parce que là aussi, je pense qu'il est inutile d'opposer le privé et le public. On peut très très bien avoir une convergence de tous ces outils-là. Dernier groupe de travail, ingénierie financière, mais j'y reviendrai dans un instant. On a également bossé sur du ciblage, c'est-à-dire en clair, on voit bien que la situation d'une petite commune en Bretagne ne peut pas être abordée de la même manière, monsieur le maire, que Orléans. Donc pas parce qu'on n'aime pas Orléans, au contraire, on aime beaucoup Orléans, on aime en plus beaucoup le maire d'Orléans, donc ce n'est pas du tout pour cibler Olivier, c'est de dire que c'est une évidence que tous les territoires, dans leur géographie et leur gouvernance, ne se valent pas. Et donc là, c'est une des premières pistes que je mets sur la table, très opérationnelle, dans notre manière d'aborder les questions de l'eau et l'investissement dans l'eau dans les années qui vont venir, c'est en capacité de faire du ciblage. Première cible, évidemment, les communes rurales. Je ne rentre pas dans les débats syndicats, interco, bloc communal. Jacqueline Gourault le fait avec les parlementaires actuellement. Mais ce sont évidemment les communes rurales qui découvrent un mur d'investissement absolument colossal dans les années qui viennent. Il y a plusieurs raisons à cela. Les réseaux d'eau sont parfois très anciens. Ce n'est pas qu'un problème de tuyaux, avez-vous dit. Mais pour celles et ceux qui doivent gérer ces tuyaux-là, ça va être un sacré problème. Et on parlait tout à l'heure de l'eau comme étant une thématique écologique, économique, scientifique, etc. Ça peut vite devenir une question très politique. À l'heure où les intercommunalités sont toutes fraîches de la loi NOTRe, à l'heure où beaucoup ont dû... Enfin, je le vois dans mon propre département, dans l'Eure, où beaucoup ont du mal à atterrir sur tout ça... Un mur d'investissement avec des difficultés financières qui pourraient amputer tout ou partie de marge de manœuvre sur des budgets principaux ou des budgets annexes pour l'intégralité du prochain mandat municipal, tout ça sous fond d'élections municipales en 2020 et d'élections départementales et régionales en 2021. Je vous fais pas de dessin. Cette question quand même du tuyau, pour le bloc rural, elle va occuper pas mal de nos collègues dans des conseils communautaires ou dans des conseils syndicaux dans les semaines ou dans les mois et dans les années qui vont venir. Donc il faut savoir le traiter. On va le faire. Il faut savoir également développer des outils pour les décrocheurs. Alors là, il y a deux types de décrocheurs. Il y a ceux qui ont un patrimoine en mauvais état parce que
fondamentalement, c'est un héritage, ils n'y peuvent rien, ils font leur maximum, mais la taille critique, les difficultés locales, etc., font qu'ils ont des difficultés à s'en sortir. Et puis vous avez les décrocheurs, et on ne va pas se mentir, on va se parler très franchement, puisqu'on là-dessus aussi, il faut plus jeter du local, vous avez les décrocheurs parce qu'il y a des gens qui s'en moquent de vous. Ça existe. Ça existe. Là, forcément, je le dis devant des gens qui sont passionnés par le sujet, donc, mais il ne faut pas non plus qu'on se raconte de carabistouille entre nous. On a des élus qui n'ont jamais jugé la question de l'investissement dans l'eau, petit cycle comme grand cycle, comme étant quelque chose de prioritaire, qui ont renvoyé ça aux successeurs en disant « on fera les travaux plus tard », ont vu des niveaux de rendement diminuer, ont vu des situations se dégrader dans les stations d'épuration, n'ont pas forcément fait ce qu'il fallait faire sur les projets de biodiversité, et qui créent donc de la dette cachée. Puisque fondamentalement, un jour, quelqu'un devra payer l'addition. Fondamentalement, un jour, les travaux devront se faire. Donc là, il faut qu'on soit capable, dans le cadre des programmes qui viennent, de dissocier, enfin, d'abord, de proposer des outils de rattrapage et de rédemption, si j'ose dire, à tout le monde, dans un premier temps. Puis ensuite, il faudra quand même qu'on se dise deux, trois vérités pour celles et ceux qui seront toujours décrocheurs pour de mauvaises raisons. Dans une classe, on ne traite pas pareil l'élève qui a eu un accident de la vie terrible et qui n'a pas eu ses examens de la même manière que l'élève qui n'a rien foutu de l'année parce qu'il a préféré rester jouer au baby-foot ou au billard avec ses copains. Ça s'appelle la justice. Il va bien falloir quand même qu'on s'en parle encore un peu plus durement qu'on s'en est parlé jusqu'à présent, de la justice. Parce qu'au bout d'un moment, le principe de l'eau paye l'eau, c'est qu'il faut bien que quelqu'un le paye. Donc là-dessus, ça fait partie aussi des deuxièmes cibles sur lesquelles il faut travailler. Et je dois reconnaître que tous les présidents de comités de bassin, Thierry lui aussi, adhèrent à ce principe-là en disant « il y a un effort de remise à niveau à faire, faisons-le ». L'exemple évidemment concret, c'est sur l'épuration, sur l'assainissement, où la directive dite ERU, donc la DERU, fixe et pointe encore plusieurs dizaines de sites sur lesquels les travaux doivent être faits pour des mises en conformité en urgence, là aussi, et dans ces territoires-là, mais commençons à cibler avec beaucoup, beaucoup plus de précision encore nos outils d'intervention. Je sais qu'ici, vous le faites déjà en partie, mais il faut qu'on puisse le systématiser. Les grandes villes, monsieur le maire d'Orléans, là aussi, je suis très attaché à la solidarité urbain-rural. Et je crois que personne ne veut remettre en cause cela. Mais il ne faut pas non plus que l'urbain disparaisse complètement des cibles d'intervention, soit des agences, soit d'ailleurs de celles et ceux qui les accompagnent. C'est là où vous, les maires de grandes villes ou présidents de grandes comités d'agglomération métropole, vous avez, et donc aussi de par là même les conseils régionaux, les élus régionaux présents, vous avez un rôle majeur à jouer collectivement sur l'innovation. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'innovation en milieu rural, c'est pas vrai. Il y a l'innovation en milieu rural. Mais c'est quand même plus facile de trouver un modèle économique pour financer l'innovation en zone dense et en zone urbaine qu'en milieu rural. Donc là, typiquement, je le pose sur la table, c'est la question des eaux de pluie, sur lequel beaucoup de demandes se sont fait jour pendant les assises sur cette question-là. Il faudra également travailler avec les entreprises privées pour arriver à avancer sur le sujet. J'avance, justement. Attente vis-à-vis des différents acteurs. Les entreprises, notamment les grandes entreprises du milieu, on leur a demandé, à la faveur de ces assises, de se structurer à travers une filière. C'est Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui a pris la présidence de cette filière. Mais pour la première fois, on a demandé à toutes les entreprises de l'eau de se structurer. Alors je crois qu'ici, ce n'est pas quelque chose de très original, vous avez un certain nombre de clusters autour de l'eau, et vous avez des acteurs qui font déjà des choses assez formidables, ce n'est pas tout à fait systématique à l'échelle du pays. Donc là-dessus, il faut que là aussi le monde du privé s'organise au mieux, pour qu'on soit capable de faire converger les différents outils d'intervention. Les banques, et la première d'entre elles, celle de l'État, la Caisse des dépôts et des consignations, il faut qu'on arrive à développer des outils financiers nouveaux. Je le dis là aussi en tant qu'ancien élu, enfin je suis toujours local, mais en tant qu'ancien maire, je suis frappé que sur l'eau, il n'y ait pas plus de débat sur la dette, l'amortissement, la bonne dette. Enfin, des investissements sur 60 ans qui vont transporter quelque chose qui va avoir de la valeur, au sens où on va le facturer à un moment donné. On parlera du prix de l'eau dans un instant. On va le facturer à un moment donné. Par définition, ce sont des investissements qui s'amortissent en bonne gestion. Et beaucoup de nos collègues ne parlent uniquement
que de subventions. Alors, en ce moment, l'argent sur les marchés financiers est peu cher, c'est un fait. Néanmoins, on a peu de produits financiers, les prêts, en quelque sorte, qui sont à taille de ces investissements-là, en clair, sur 50 ou 60 ans. Là aussi, je ne fais pas d'annonce prématurée. On y travaille avec la Caisse des dépôts pour être en situation de proposer des choses complètement novatrices en la matière, et ça permettra de boucler les financements. Les collectivités territoriales, si je peux me permettre, les comités de bassin. Continuons et continuez, s'il vous plaît, dans le cadre de vos travaux ici remarquablement menés dans le cadre de la préparation du deuxième programme, à hiérarchiser les besoins d'investissement. Et là, je compte sur vous pour que ça vienne de vous. Tout le monde sait très très bien que le pic d'investissement sur l'épuration est plutôt derrière nous. Eh bien, il faut que ça se traduise de manière très concrète dans la manière d'écrire, bien évidemment, nos programmes d'investissement dans les années qui viennent. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut le marteler, sans démagogie, puisque bien sûr, l'argent qu'on bloque en autorisation d'engagement sur des investissements qui sont moins nécessaires, c'est de l'argent que l'on ne pourra pas mettre sur d'autres programmes ou sur d'autres cibles d'investissement, et de par là même, on prendrait du retard. Donc là aussi, il faut hiérarchiser. Les assises sont aussi l'occasion de régler un certain nombre de questions spécifiques. Les Outre-mer, nous en sommes loin ici, mais vous savez très bien qu'il y a plus grosse crise aujourd'hui en eau potable, comme en biodive, comme sur le grand cycle, sont en Outre-mer. Le plan ODOM va venir accélérer un certain nombre de choses. Il faut également savoir traiter la question des solidarités. Le nombre d'impayés augmente. C'est la première fois ces 5 ou 6 dernières années que le nombre d'impayés en régie, comme en DSP, hein, ou en DSP comme en régie, que le nombre d'impayés augmente, alors que les outils de solidarité, des CCAS, des conseils départementaux, etc., eux sont toujours au rendez-vous pour aider à la facturation de la part pour nos concitoyens les plus fragiles. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut savoir traiter également, dans le cas aussi de la tarification sociale de l'eau. Mais il ne faut pas mettre ça sur le côté, puisque par définition, ça repose une question de justice. Ça repose évidemment la question du prix de l'eau en général, sur lequel, je l'ai dit à François Baroin, président de l'AMF, il faut que les maires de France, s'ils veulent défendre une bonne gestion de l'eau, assument qu'une eau de qualité, avec un assainissement de qualité, a un prix. Et lorsqu'on voit un certain nombre de facturations à des prix absolument bas, on va dire ça comme ça, du mètre cube d'eau, il ne faut pas s'étonner que les réseaux sont dans un mauvais entretien. Mais ça aussi, je l'ai dit clairement au président Baroin, c'est une compétence qui est décentralisée. Ce n'est pas le ministre qui va expliquer qu'il faut augmenter le prix de l'eau. Je ne demanderai jamais ça. J'appelle juste chaque élu à prendre ses responsabilités d'autorité gestionnaire de cette compétence décentralisée. En tout cas, moi j'ai su le faire dans mon propre territoire. Alors l'argent, monsieur le président. L'argent, il y en aura. Mais il y en aura moins qu'avant. Ça, on le sait. Et on le sait parce que, de toute façon, au-delà de l'eau, on est tous rattrapés par un autre défi qui est bien évidemment la diminution de la dépense publique et la diminution des prélèvements obligatoires. Et je pense là-dessus qu'il n'est pas bon de... Et j'apprécie beaucoup la tonalité et la philosophie de votre propos, parce que celles et ceux qui réclament sans cesse qu'on puisse augmenter les redevances ou la fiscalité en général, pas que sur l'eau, hein, mais sur l'ensemble des politiques publiques de notre pays, ne se rendent pas compte à quel point on hypothèque profondément la capacité d'agir de celles et ceux qui vont nous succéder. Je pense néanmoins qu'on peut faire aussi bien, voire mieux, non pas avec autant, mais en faisant différemment. Moi, je vous le dis comme je le pense, la question de la solidarité urbain-rural, je viens de le dire, j'y crois, la question de la solidarité entre les bassins, j'y crois aussi. Ça ne peut pas être beaucoup plus clair. Il faut qu'on en débatte avec l'ensemble, bien évidemment, des différents comités de bassin. J'ai réuni tout le monde la semaine dernière. Je l'ai dit une fois. Vous avez vu comment ça a réagi. Je l'ai dit une deuxième fois. Personne n'a dit que j'avais tort. Je commence donc à considérer que c'est un principe que nous allons pouvoir bientôt acter. Voilà. Toujours avec ce principe d'un plafond, 12,6 milliards d'euros, pardon, excusez du peu, c'est quand même une somme sur 6 ans, sur lequel, bien évidemment, je souhaite aussi qu'on travaille et qu'on parle davantage de crédit de paiement, et je le dis à dessein dans un comité de bassin sur lequel le budget est plutôt bien exécuté, mais bien souvent, on fait beaucoup d'annonces avec des autorisations d'engagement,
et derrière, en réalité de paiement, c'est-à-dire les vrais crédits de paiement, l'argent vraiment dépensé, l'argent qui permet vraiment d'investir, parfois on est souvent déçu sur certains territoires. Et pour le coup, pour le tissu économique local, comme pour le maire qui porte un projet, lui, ce qui compte, c'est pas nos autorisations d'engagement qui clignotent dans tous les sens, c'est les crédits de paiement réellement versés aux différents territoires. Donc je souhaite aussi qu'on puisse davantage repartir des crédits de paiement dans les années qui viennent pour évaluer les choses que plutôt sur les autorisations d'engagement. Voilà. Je me tais, j'étais un peu long, mais je voulais pas non plus vous déranger tous sans vous dire des choses un peu précises sur tous ces sujets. Vous avez compris que on a séparé de manière complètement virtuelle le petit cycle et le grand cycle dans les assises de l'eau, mais en fait on passe notre temps à s'occuper du grand cycle pendant qu'on parle du petit cycle et vice-versa. On l'a fait aussi pour des raisons pédagogiques, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le monde de l'eau, et ce ne sont pas forcément les mêmes qui s'intéressent à ces deux questions. Moi je rendrai des conclusions le 17 juillet prochain avec toute une série de propositions, y compris sur le volet financier, au ministre d'État, au Premier ministre, au Président de la République. Ce sera fidèle à tout ce qu'on se sera dit pendant des semaines dans le cadre de ces assises de l'eau. Ce sera fidèle à ce que vous vous serez dit ce matin dans tous les débats publics que vous avez pu organiser sur le sujet, pour vous donner et vous permettre une seule chose, c'est de rendre prévisibles vos actions et vos politiques publiques, puisque c'est la moindre des choses que le gouvernement vous doit, ça s'appelle du respect, c'est-à-dire de vous donner de la visibilité, de la prévisibilité. Merci à tous.